YouTube. J'espère, YouTube, que tu sais quel est le signe en langue des signes française pour chocolat, parce que moi je le connais pas. Donc j'espère que toi tu le connais. Voilà. On lui a appris chocolat, hop, du premier coup. Ah, c'est par là, évidemment, c'est là où il y avait eu le combat. Ok, et donc c'est ici? Un jour. Hein. Et ouais, j'ai vu que c'était de plus en plus courant, ouais, d'apprendre à signer aux enfants. Mais du coup, c'est con de pas continuer en fait. Parce que oui, quand ils ne peuvent pas parler, bah, ils peuvent signer les enfants. Tu leur fais signer des papiers, des trucs comme ça, tu vois. This is the safe room Will showed me. Oui. The one with the altered item inside. Alors, la lisière condamnée. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La lisière avec effet apparue dans le secteur de confinement. Au milieu du département de... Simultanément, de nombreux sont apparus dans la zone, blessant et tuant de nombreux. Une fois les opérations de secours menées à bien et les soldats étant envoyés pour découvrir l'épicentre de la lisière, la simple quantité de... a rendu l'expédition impossible. Après que le retrait des horloges s'est avéré impossible, la zone a été condamnée, le département a été déplacé, la zone abandonnée. Les chercheurs ont avancé l'hypothèse que la lisière a introduit de la matière instable dans une dimension qui a adopté la forme de... et comme, quand on va présenter A, plus stable. Le dossier 951-39-81 contient un rapport complet. Je vous avoue que c'est pas super clair. Loulou a signé son premier signe vers 9 mois, c'était trop bien. Ni lui, il n'a pas eu trop besoin, il se faisait comprendre vite. Petit génie celui-là. Hein. Great. More clocks. Mais je suis où là? Ah oui, d'accord. Là? Je peux aller aussi loin là? Ok, oui, je peux. Ce petit Malino, bah oui. Le génie, c'est Loulou qui signait gâteau chez mes parents et chocolat chez les autres grands-parents. Il a vite compris certaines choses.
Mouais. Comment j'y vais? C'est que je meurs si je saute comme ça. Je crois qu'on a la réponse. Je crois qu'on a la réponse. Est-ce que si j'essaie d'y aller comme ça, je meurs? Réponse, oui. Mais le jeu avait prévu, c'est pour ça qu'il y a un... Comment je suis censé traverser ça? Attendez, il y a un truc là. Attendez, il y a un truc là aussi. Pourquoi? Attendez, on va faire demi-tour. Tu l'as déjà dit ça. Évidemment un combat. Allez, je vais grimper. Allez, tiens, reprends. Il est où son copain là? Bon, voilà. On est là. Tiens, il y a des trucs que j'avais pas récupérés. Pourquoi y a pas de... Pourquoi y a pas de lumière dans les toilettes? Y a toujours de la lumière dans les toilettes là, normalement.
Il n'y a rien à récupérer dedans. Mais... Il va y avoir un truc. Il doit y avoir un truc. Il faut que je retourne là-bas. On va tenter. Là, on avait eu un combat ici. Oui, là, c'était le truc super creepy où il parlait pas. Ok, ça c'est bon. Allez. Hop. Encore un ? Ah oui. Ok. Alors. V'là ici. Qu'est-ce que ça me donne ? Là, il y a le truc. Là, il y a le machin. Attendez, là. Non. J'ai cru que ça brillait, mais pas du tout. Là, on a juste un vieux téléphone. Là, on n'a rien. Alors, je peux pas remonter là-haut, là. Ah. C'est vrai qu'il y a la petite cordelette, là, pour... Pardon. Pour retourner à l'hôtel. C'est ça qu'il faut utiliser en fait. Est-ce qu'il faut pas retourner à l'hôtel? Ouais, je suis en train de me demander si c'est pas ça.
Logistique. Logistique, logistique. Alors, je suis là. Je sais plus de quel côté c'est. Voilà. Oui, c'était ça. Pas du tout. Non, c'était par là. Non, ça c'est les cabinets. Y'a plus? What? C'était bien là? Je crois, ou alors c'est de l'autre côté? C'est en face? Peut-être de ce côté-là, ouais. Encore! Oh là là, mais merde! Oh, ils sont 50 en plus, quoi. Il y en a 50. Merci. Et donc, ah. Ah, alors. On arrive directement au bon endroit. Là, si. Mais sur bleu, puis je me déplace. T'as l'air perplexe. Bah ouais. Est-ce que ça va avoir changé quelque chose là? Je crois pas, hein, mais ça a rien. Y a plus l'encre. Mais l'encre elle a disparu. Qu'est-ce que c'est que ces merdes?
suis pas paumé du tout. Attendez, je me redéplace. J'y retourne. Il n'y a plus l'encre. Il n'y a plus l'encre, elle a disparu. Pourquoi qu'elle a disparu? Elle est où? Elle est où maintenant? Genius. Je veux bien... Je veux bien un petit tuyau si t'as là. A place. J'ai pas fait le jeu. Ah bon? Merde. Johanna? Non mais je sais pas. La première erreur dans l'essai du cloud... Ah ok. Ah ! L'encre est là. Attendez. Attendez, si j'arrive en me téléportant ici, y a pas l'encre. Et pourquoi il y a des trucs là-haut aussi? C'est ça moi là qui me... Vous voyez là, y a un coffre là. Et là, y a un coffre aussi. S'il y a des coffres ici, c'est qu'on peut forcément les récupérer. Si je saute là. Je peux faire du wall jump? Oh! Il y a un début de wall jump là. Hein. Alors. Il y a des trucs en bas là. Là, il y a un mur qui est plus blanc, là. Réfléchis, réfléchis. Et là, il y a re plus la plus l'encre. Et il y a forcément une énigme parce que elle arriverait pas ici en disant ah là là, comment je pourrais faire en sorte de tout traverser. Ouais, y a
aucun moyen là que j'aille assez haut. Ou alors c'est en arrivant de là. On arrive de plus... Ah non mais bouge pas, touche pas, oui. Non, non mais je vais... Je vais essayer de retrouver mon frère. Parce que là j'ai pas d'idée. Hein. Ou alors faut un pouvoir que j'ai pas encore. Faut le pouvoir de sauter très haut. Peut-être. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça, ok, c'est cuit, c'est par là. En plus le panneau du petit con, c'est là où on veut aller pour notre frangin. Vous pensez que c'est qui les noms? A votre avis, c'est qui les noms? Ah, m'en fous en fait. Encore ? C'est bon, bah merci hein. J'allais dire, j'ai cru que j'étais Keblo. J'aurais eu les boules hein. Ok, bon. Ah, niveau 6, j'ai pas encore. Peut-être que je vais le trouver justement ici. Allez. Là, j'ai rien, ok. Cette porte? Non, je l'ai pas faite. Je trouve des trucs, je trouve des trucs. Petit shelter des familles. Ouais.
Ah merde, ils arrivent. Oh là là, ils sont combien? Il y en a un là, ouais. Coucou. Alors, autopsie de la mousse. Ils ont autopsié de la mousse, quoi. Alors, le sujet était un âgé de 100 antécédents médicaux notables. Le sujet nous a été remis après avoir été découvert dans les lisières actives. Il était au premier stade de décomposition dont l'apparence dénotait une forte présence d'agents fongiques. Forte présence, j'imagine. Les cavités pleurales du cadavre étaient entièrement remplies de l'agent fongique appelé mousse, au point que le personnel médical fut forcé de revêtir des combinaisons étanches. La procédure a été gênée par des anomalies, comme la température élevée du cadavre et l'ondulation des muscles du torse, dont on ne peut que supposer qu'elle était le fruit du gaz emprisonné. Le fruit de gaz emprisonné. Les échantillons de routine ainsi que des échantillons de tissu demandés par le docteur Underhill ont été extraits avec succès. Il faut signaler leur régression rapide hors de l'hôte. Cause de la mort, ingestion de mousse, dossier 594-2716, contient un rapport complet. Putain non! Connard. Il y a un gros bruit de gargouillis chelou là. Est-ce que vous avez entendu le gros bruit de gargouillis chelou aussi ou pas? Oui, tu l'as entendu, hein, on est d'accord. Niveau 6, j'ai pas.
Alors, procédure du globe. Aucune procédure particulière n'est requise, toutefois, mieux vaut éviter d'entrer en contact avec l'objet car il existe des rapports faisant état d'une sensation de désorientation après l'avoir touché. L'objet est fait main, il est placé dans du bois sombre. L'objet lui-même est laqué, peint à la main et tourne librement sous tous les axes. Bien que les continents et les océans de notre Terre soient aisément reconnaissables, l'examen attentif de la surface révèle de nombreuses et d'autres ajouts géographiques introuvables sur notre planète. Une de ces îles abrite une ville nommée Tanrelio. Son fabricant n'a laissé aucune marque permettant de l'identifier. Entrer physiquement en contact avec l'objet rend le sujet confus et le désoriente. Certains rapportent un sentiment d'étrangeté et d'aliénation. Cet effet semble s'aggraver si le contact se prolonge et culmine un état d'apathie, de Jean-Michel apathie et de dépression. On a observé cas de suicide. Ah, quand même. Putain, vous vous rendez compte, vous touchez l'objet et vous devenez de droite comme Jean-Michel apathie, quoi. C'est quand même super chelou. Is what the Bureau calls Dylan. His cell's been breached. Has the Hiss found him? Are you there with him? Can you protect him? J'aime bien en fait là, il y a le... Si vous voulez aller là-bas, faut tirer sur la chevillette. Comment je rentre là? Je rentre là. Donc j'ai ça. Attends, j'arriverai jamais. Hein. Il y a le tourne-disque. Ça mène où ça? Non mais c'est bon, hop, on va regarder On va regarder sur le plan, pas sur le plan mais dans notre truc là. Allez go. August 4th, 1964. We discovered the oldest house while investigating a suspected altered world event case in the New York City subway tunnels. The agents found their way up into the building. Once we became aware of it, it was there. For the rest of the population, it was hiding in plain sight, a slippery blind spot, seemingly discouraging observation. It's a place of power, an ongoing AWE of its own, seemingly adhering to its physical outer constraints and yet constantly breaking the known boundaries of reality. It's unstable, shifting. Note. For more details on control points and the research and process to stabilize and secure the core sectors, refer to a separate presentation. After extensive research and investigation, the Bureau made the building its headquarters on November 13th, 1968. The Federal Bureau of Control was never out in the open. This was always an obfuscated, classified top secret operation. So imagine our surprise when the building's observation resistant aspects began in some unquantifiable way to affect the Bureau as a whole. Ah, là il y a un mec, et un mec derrière qui lui a dit maintenant c'est le moment de fermer ta gueule.
Là, le mec là, lui a dit non, t'as trop dit. Quoi? Je crois que c'est mon frangin que j'ai vu, non? Il faisait un peu peur. Ah! D'accord. Ah, tout est à l'envers. D'accord. Si je rappuie. Ça m'ouvre la dernière. Ok. Alors, je sais pas vous, mais j'ai trouvé que c'était étrangement simple. Et c'est vraiment pas le genre de la maison de faire des trucs simples. C'est been a long time since Dylan and I knew each other. I've wondered about him. What kind of man he grew up to be. Things as hard for him as for me. Maybe in here. They were even harder. Tu deviens parano. Ça doit être ça, ouais. Archive. C'est moi où je vois quelqu'un là. Something I can help you with? I'm Jesse, the new director. I need to get inside. New director? Right. Well, okay. Hello, I'm Frederick Langston, the Panopticon supervisor. It's not the best time for a tour. We have hiss everywhere, numerous cell breaches, and system failures across the board, but you're the director, so here we go. Founded by Zachariah Trench, the Panopticon is our state-of-the-art repository for all altered items. I don't have time for this. Power and... I was told Dylan Faden was kept here. Can you help me find him? Faden? Sure. Darling wanted him somewhere secure and isolated, away from people. He's in the maximum security cells, upper level. But there's currently a pressing matter, ma'am. We've got an object of power loose in there. It's wrecking the place. The Benikoff TV? It's a real doozy. Salvador took a team in to handle it, but no one's heard from them for hours. This is a Category 5 OOP we're talking about, and if we don't contain it soon, it will tear the Panopticon apart. And we don't want all those altered items getting loose, ma'am. No, trust me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so. I usually tell first-timers not to touch anything, so, just do that. Here, I'll get the door for you. And please, ma'am, call me Fred. Thanks, Langston. Quelle connasse des fois, hein. I better not get blamed for this mess in the next performance review. I have a cat to feed. Attendez, est-ce que je peux lui parler un petit peu quand même? Is the TV back in its box yet? No rush or anything, it's just, you know, an ongoing concern. Do you like working at the FBC? Sure.
I mean, yeah, the drama's a bit much, but I get better benefits here than I would over at the Postal Service. I checked. Better healthcare. That's not to say I don't like my job, ma'am. Been here over 15 years. No one knows the Panopticon collection better than me. I'm, close to them, in a way. I can't tell if that's creepy or normal here. How do you keep the altered items under control? It depends on the item. Each one has different needs. Ritualistic touches go a long way. Singing to them. Did he say singing? Flipping the lights three times, that sort of thing. It's not superstition if it works. Ok. Ok, avec l'encre, il y a peut-être un truc à faire en fait. What's the difference between objects of power and altered items? Think of them like storms. Objects of power are like tropical cyclones or hurricanes for the uneducated. They're big, rare, and scary. Of course, directors can just bind the OOP and become the eye of the storm. Altered items are more like weird thunderstorms. Some may rain frogs, some may rain corn, but they all rain something. And how does the hiss factor into all that? It's changing them, making them aggressive. Now they're all raining, I don't know, knives. Knife rain. Nice metaphor. Did you work closely with Trench? Oh, he spent most of his time with Darling and all them. The inner circle. Not that I care. Trench certainly had his favorites. He did stop in occasionally to scowl and smoke. Did you know the Bureau has a no-smoking policy? It does. Just not for Trench. Still, c'est vrai qu'il clope, ouais. Funding for the Panopticon. The man did have vision. How did you get this job? Started as a junior agent because my uncle knew a guy. From there, I got put on a desk until an accident left the containment sector severely understaffed. At which point, I got bumped up to management. Put in a steady 8 hours a day for another 10 years, and voila, supervisor. I just picked up a gun. Or a gun picked me. I'll see you later, Langston. I'll be here, like always. I'll be here for you. Only if you can reboot the cell door protocols without. Oh, ça a l'air d'être la merde. Panopticon. Dylan's close. But that object of power might wreck this place before I find him. Donc là, je suis à l'étage numéro 2. Ah, les modes d'armes est plein. Attendez, la brisure. Le mode d'armes. Qui en deux. Hein. Hop là, allez bisous. Ça c'est pareil là. Hop, il y a du 2 et du 1. Hop là. Ah non, floor 1. Je peux encore descendre.
Ah bah la boîte aux lettres. Le petit panier. On peut pas ouvrir les portes, hein. Un ventilateur, ok. Et là, le marteau de Thor, ok. Ok. Alors, le niveau 3 a été censuré, a priori. Bureau's plan to make Dylan the next director. Marshall made it sound like it was all Dylan's fault, but how much of it was what the Bureau did to him? I don't think she's telling me everything. What? Ouais, il va déjà commencer à m'emmerder lui. Là je peux pas sortir mon flingue là. Il faut m'emmerder dès que je vais sortir. Corvée de frigo. Meilleur nom de... Meilleur nom de... De mission. Hein. Hop. Je vais juste faire une petite pause. 2 minutes. Et je reviens. A tout de suite. Et re... Hop. Tac. C'est bon. Il y a le thé qui a fait effet. Il y a le thé qui fait effet, donc forcément. Est-ce que je peux pas créer des trucs là? Non, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Ah si. Améliorer charge. Mais je l'ai jamais utilisé charge. Les contre-mesures du comité, on a quoi? Les snipers. Ah. Pas. Il a une vitale le machin quoi. Ah, le truc il avait un de vitale quoi. Merde. Bien fait baiser là. Alors ça va, du coup ça s'est bien passé, mais
Mais le fait qu'on pense que c'est ok. Et en fait pas du tout. Ah. La porte qui s'ouvre, qui se referme, qui s'ouvre, qui se referme. Parfait. La télé. Vous avez vu, c'est dangereux la télé. Heureusement que vous êtes sur Twitch. Mais ça va être ça, non? Pour récupérer l'encre. Non? What? Oh, il va être vénère lui. Security. This team didn't stand a chance against the Hiss. No one here does. Okay. A TV. Another object of power going nuts. Here we go again. L'éviter. Voilà, voilà. Maintenez A pour l'éviter. Ok.
Oh, c'est chiant de viser quand on l'évite, hein. Bisous, Jesse s'envole. Ok, dealt with the TV. Now I can find Dylan. Ah oui, d'accord, on peut pas aller plus haut que le sol et qui est en dessous de nous, d'accord. Il y a une certaine limite en fait. Mais n'empêche que ça y est pour le Tiens, je les ai pas vus eux. Zone non cartographiée, ok. Ok. Coucou, je m'envole. Ah, les salauds, quoi. Les salauds, franchement, avoir fait ça, c'est dégueulasse. T'as vite fait de pas les voir. Ceux-là en particulier. Et de les oublier, quoi. Ah, c'est un sniper! Attendez. Non. Bim! Et 2-1. Y'a pas d'autre là? C'est tout? C'est tout? Bah dis donc. Hop, désolé. Hop là. Pourquoi il y a un signe là-bas? Quoi? Pourquoi il y a un signe? Merde. Je vais quand même aller en face, malgré qu'il faille aller à droite. Donc là on a un truc. Super. Là on a un signe. Là on a une fontaine à eau. Ah. Alarme. Tout près, tout près, je sais pas. Hein. Non !
Tu fais bien les coins, Silent, dis donc. Oui, je peux t'entendre. I can entend you. Are you there, Jesse? Emily? He's gone. Dylan isn't here. He might be nearby. Or maybe the hiss got to him. I don't know. Jesse, listen. Dylan's here. With us. He just walked in. He says he is giving himself up. He's been affected by the hiss, but he is different than the others. We must isolate him. I'm on my way. We need to get back. I have to see my brother. Oh mais non! Hein? Oh, il est mort? Non. Encore avec frigo. Et voilà. Donc ça, faut que j'aille voir. Ah, c'est ça. Ouais. Ok. Coucou Gebel. Et non, il nous a foutu un sacré merdier lui. Hein. Oui, je vole. C'est rigolo qu'ils aient mis des lumières rouges parce qu'on pense que du coup va y avoir un combat. Attendez, mais c'est... Qu'est-ce qu'il a écrit là? Elle a écrit Jesse, regardez. Ok, bon. Ah, j'avais pas vu. Regardez, il y a un dossier. On pourrait aller à dossier. Allop, je go lurk. Bon jeu à toi, bonne soirée à tout le monde. Ben, merci beaucoup d'être là en lurkage. Toujours bien le lurkage. ID de Salvador. Ok. Observation de Dylan Faden. Faden. Le petit déjeuner est servi. Il se lève, il va aux toilettes, il retourne se coucher, demande au personnel d'allumer la télévision. Le personnel s'exécute. Le déjeuner est servi. Le petit déjeuner est récupéré. Il prend son repas, il va aux toilettes. Commence à soliloquer. Impossible d'enregistrer son discours à cause du son de la télévision. Il s'énerve. Il lance son plateau au repas contre la vitre. Il est mis sous sédatif. Le personnel nettoie la cellule. La télévision est éteinte. Il revient à lui, il demande au personnel d'allumer la télévision. Le personnel refuse, il dort. Le droit d'utiliser la télévision lui est refusé en raison de son comportement hostile. Je suis un pro lurker, ah là, carrément quoi. Alors, les dossiers, la télé, aucune mesure de confinement nécessaire n'est nécessaire lorsque l'objet est lié d'un téléviseur à tube cathodique assemblé par Benioff & Sons Electrics. L'écran fonctionne toujours. L'objet peut l'éviter par ses propres moyens à une altitude maximale observée de... Quand il est lié, l'objet permet aux para-utilitaires d'exploiter cet effet à leur propre avantage, voire rapport, pour connaître les résultats des expériences menées par le candidat primaire. Actuellement, l'objet est lié à... L'objet a été repéré par le bureau dans un article de presse local dans le Kansas. Une silhouette a été vue en train au-dessus des immeubles. Le bureau y a envoyé des agents, lesquels ont découvert qu'un dénommé. C'était lié à l'objet. Monsieur a été incarcéré.
voir l'affaire 39HQ656 et l'objet a été mené au bureau pour être étudié. C'est-à-dire la boîte aux lettres. Le revêtement de pierre noire s'est avéré être un excellent moyen de réduire l'effet de l'objet altéré sans pour autant le neutraliser. Les agents à proximité immédiate peuvent toujours être paralysés. Il est recommandé de ne pas s'approcher à moins de mètres de distance de la cellule, à moins que l'agent soit confirmé comme non sensible. Une boîte aux lettres des USA, bleu foncé, modèle. La peinture s'est écaillée au niveau des coins, au niveau des... L'objet est vide quand nous sommes emparés. Il ne comptait pas de courrier. L'objet neutralise les fonctions motrices des organismes qui remplissent certains critères inconnus à ce jour. Les sujets paralysés sont toujours capables de bouger les yeux, d'articuler quelques paroles. Expériences ont révélé qu'environ 16% des agents n'étaient pas affectés par son effet. L'âge, le sexe, l'origine, la taille, le poids, le groupe sanguin, la couleur des yeux, la vêture, le lieu de naissance, le régime alimentaire, le rythme cardiaque et la catégorie socio-professionnelle sont autant de facteurs qui n'ont aucune influence sur la vulnérabilité d'un individu vis-à-vis de cet objet. Nous avons documenté l'état émotionnel des victimes lors de la prise d'effet de la paralysie. Aucune corrélation n'a été trouvée à ce niveau. Salut Quick Ben ! Salut, salut ! Ça fait plaisir de vous voir tous là. La lanterne a été découverte dans une boutique à ramen de Tokyo, au Japon. La boutique était devenue très populaire grâce à l'objet qui agissait comme un fanal suspendu au-dessus de sa porte. Un documentariste de passage a été séduit par le lustre écarlate de la lanterne et lui a offert une renommée internationale grâce à une série d'émissions donnant le premier rôle au premier restaurant du monde. La popularité de la lanterne parmi l'audience a mis la puce à l'oreille du bureau qui a rapidement mis la main dessus. J'écris ce rapport alors que je suis assis à côté de l'objet en question. Sa lumière est si rassurante et mais très familière. Elle me rappelle les nuits d'été alors que je n'étais qu'un petit garçon, le soleil couchant, l'air chaud, le chant des insectes. La lanterne sait que nous voulons tous nous sentir en sécurité chez nous, confiant dans l'immuabilité du monde et dans la nôtre. Dans sa lueur, nous serons à jamais jeunes et heureux. L'auteur de ce document a dû être interné peu après la distribution de ce dossier. Il est désormais interdit de manipuler cet objet seul. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à caution, étant donné le manque d'objectivité de leur auteur concernant l'objet. Ah là là, le truc. All right, I won't take up too much of your time today, Dylan. Like I said, I want to talk about Jessie, your sister. What about her? I just want to get your perspective. What do you think of her? What kind of person is she? That sort of thing. I adored my sister. When I was little, I mean, back in ordinary. And you don't anymore? When I first got here, sure. I'd always hope she'd come too. Find me, to take me home. We went everywhere together. Why should this be any different? Casper said she could come too, to the Bureau. If she wanted to. But she never did. Why do you think that is? Because she didn't care about me. She always wanted to be out on her own, seeing the world. She always said so. I guess she got what she wanted. Bon, il est vénère, quoi. Right? So, she wanted to see the world. Did she ever mention any place in particular? Why? We like to ask questions around here, you know that. Any particular cities, towns, landmarks, anything like that? Il essaie de la retrouver. I don't remember. What about family friends? Were you close with anyone living outside of ordinary? I'm done with this. Tell Casper I want pizza for lunch today. Dylan, wait, we're not... End of session. Merci. Merci pour cette information très intéressante. Faut que je retourne au quatrième étage. Où il y a le mec qui est enfermé.
Ah, j'ai récupéré de la capacité. Oh, trop bien ça. 10% de la durée de lévitation. Ah. Oh, percuter le sol. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que je peux prendre là? Le bouclier, je m'en sers jamais. Je lance les ennemis. Je peux peut-être... Parce que le lancer, je l'utilise quand même pas mal. Je l'aime bien. Et ça, c'est quoi? 5%. Je pense qu'on va essayer de l'éviter un peu plus. Construction, ok, bon. Trouvons le gars. Wesh mon gars. Hey, what can I do? You're back. Oh, thank you, thank you. If I look away, I don't know what this thing will do. You have to get me out of here. The door can only be opened by the Panopticon supervisor. That's Langston, if he's still around. Langston, yeah, I know him. I'll go ask him how to get you out. Je crois qu'il y a un gros caillou dans le bureau. Hey, calm down. Just focus. L'évitation à un moment, ça peut être bien de l'améliorer. Hein. À tout, j'ai l'impression. On s'en fout, Philippe. Just hang on, Philip. S'en fout, Philippe. Mais du coup, je peux aller aux étages inférieurs maintenant. Dont le niveau 3 là où il disait on savait pas trop ce qui se passait au niveau 3 là. Alors on a quoi là? Pour l'instant, on a rien. Là, c'est Fermed. Là, il y a une planche de surf, ok. Merde. Merde, c'est fermé. Chitio. Et là, c'est fermé aussi, ok. Alors, next. Là, je suis au niveau 2. Faut que je retourne au 1. Évidemment. Viens là, toi. Ah.
Ils sont où? Ah, regardez, il est là. Ils étaient pleins. Non. Je veux pas mourir. Merde. 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 Ah, oh, ça fait chier. Viens là, opérateur. Putain. Je suis pas vénère. Je suis pas vénère. C'est faux. Vénère du tout. Ah, merci. Quoi? Genre, il est en dessous. Allez, viens. Et merde, ça... Ah! Il est bien vénère lui hein. Il était bien vénère lui. Et... Ah, on va essayer de pas se casser la gueule. Pour
pourrait être pas mal. Non. Ok. Ici, hein. Il y avait Leng machin là. Oui. Ok. There's someone named Philip up in a cell. He's watching a refrigerator and very rapidly losing it. Philip? Oh shit, I forgot about fridge duty. He's been in there for over a day, I totally forgot. You forgot about him? There's a lot going on. The hiss, the Benikoff TV. Considering the number of things I'm juggling, ma'am, I think it's... Listen, it's fine. We just need to get him out of there. He said you'd be able to open the cell door. Yeah, I can unlock it on my terminal. There. Done. Door open. But Philip can't just leave. The fridge is behaving erratically. Ocular contact is the only thing that seems to placate it. If we don't have someone in there watching it 24/7, people will die. I'll figure something out. I'm pretty good with these things. Being pretty good with altered items isn't standard bureau procedure, ma'am. He doesn't know us very well. Ok. Bon, j'y retourne. Je peux m'envoler ou pas? A priori oui. Je vais où ensuite? Là-bas? J'imagine que pour le quatrième c'est par là. Voilà. Merde, c'est pas par là. Allez. Philip. Il doit être par là, le petit Philippe. Hop, petite sauvegarde. Oui, c'est moi. Quoi? Oh, if I look away, it hurts me. Ah! Merde. Ok. This sounds like the board, but I can't understand it. What the fuck? Aïe. Aïe. Bah ouais, mais j'avais pas de vie déjà. Regarde l'indicateur sprint pour fuir le souk. J'ai commencé le combat, j'avais zéro vie. Oh non! Il frappe plutôt fort ce truc. Ouais, j'ai l'impression que ça va être... Philip?
sounds like the board, but I can't understand it. Fuck? Tiens, tiens le formateur, je t'ai bien formaté là. C'est vrai que je peux retourner en bas direct en fait. C'est cool ça. Par contre, il y a un truc que j'ai pas visité là-haut. Hey, listen to this. Containment failure in Panopticon cell 69. Get it? Ah. How'd it go? Yeah. Philip's gone. Something happened before I could get him out. Poor Philip. He never did like fridge duty. But if you're here, then who's watching the fridge? The fridge is fine now. I took care of it. You don't just take care of altered items. What did you do? I touched it and wound up in the astral plane. This thing was in there. It was huge, had one big eye. Wasn't friendly. We've been getting reports from the astronauts lately about something fitting that description. The astral plane is usually connected to our world through objects of power, not altered items. If this thing is linking itself to altered items, then it's clearly powerful. This may happen again. Do you think that thing is what got Philip? Must have been. The Panopticon is a dangerous place. The agents all know the risks. But since you're some sort of altered item whisperer, I've got a list of others for you to corral. The Hiss are causing containment breaches left, right, and center. Here, start with these. I'll see if there are any others missing while you're gone. My life just got a whole lot easier. Ok. I'll see you later, Langston. Ok, donc on va avoir des objets à récupérer, à purger. Oh là là, tellement de trucs là. Langston demande à Jesse de purifier et rapporter les nombreux objets altérés qui sont échappés d'une panne optique. Et avertit Jesse que ces objets sont devenus imprévisibles depuis qu'ils ont été contaminés par le Hiss. Je vais retourner voir l'encre. Je pense. Mais d'abord, on va lire tout ce qu'on n'a pas lu. Incident impliquant un employé. L'incident en question s'est produit le... a été porté à l'attention du département RH par le personnel de sécurité interne qui est intervenu. D'après les rapports appuyés dans les enregistrements de caméras de sécurité, l'agent Filson est entré dans la cuisine du personnel pour consommer son repas, un sandwich coupé en diagonale et contenu dans une boîte en plastique qu'il a cuisiné lui-même, mais a découvert que le réfrigérateur avait son repas. L'agent Filson a alors donné des coups de pied dans l'appareil électroménager. Propriétaire du bureau en exprimant sa frustration à haute voix et de façon très grossière. Ce comportement a vivement inquiété plusieurs membres du personnel présents sur place. La sécurité a alors été alertée. Parce que sécurité lui a ordonné de cesser, l'agent Filson a obtempéré.
recommandation de l'agent Filson. A été réprimandé et suspendu pour le reste de la semaine en cours. Le comité d'évaluation recommande un entretien non obligatoire avec un conseiller. C'est chaud hein, quand les gens s'énervent. Aucune procédure particulière est requise. Un réfrigérateur électrique de marque Arctic Queen datant des années 1960. Aucune capacité de refroidissement. C'est dommage. La porte est ornée de dessins en crayon réalisés par... Il est impossible de retirer les dessins de l'objet. Toutes les tentatives ont échoué. Le papier ne peut être ni brûlé ni arraché. Antécédent. L'objet a attiré l'attention du bureau après qu'il a résisté à l'effondrement du grand Central Hotel de New York où il servait d'appareil électroménager. Dans l'appartement loué par un dénommé, il défraya la chronique après être sorti indemne de ce désastre. Monsieur, qui était à l'extérieur du bâtiment au moment du drame, on a conservé la propriété jusqu'en 1974. Le bureau le lui a acheté sous une fausse identité. Un nouvel effet d'altération a été observé. Voilà le dossier AI10F pour plus... pour plus ample informé. Ok. Voir le dossier AI10K pour connaître les nouvelles procédures de confinement. Formateur, hein. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur le formateur? Le précédent dissident, c'est de retour, toujours là. C'est le précédent, la déception. Ne fait pas partie du comité de nous. Nous excusons, nions avoir connaissance pour la gêne occasionnée. Vous verrez, confronter le précédent. Il vole, relie les objets altérés. Il construit une adversité, un faux nous. Vous devez espionner, détruire si possible nécessaire. Ne croyez, vous passionnez pas. À propos des mensonges, publicité du précédent. Oula là là, nous fournissons au front une meilleure prime, assurance maladie. Si vous partez, vous serez que mécontente, morte. Vous ne travaillerez, n'existerez plus. Dans cette ville, réalité cosmique. Oui. Oui. J'aime beaucoup le petit oui à la fin. Oui. Bon allez, on va faire l'encre. Oh là là, oh là, oh là, oh là là, oh là là, que trop de trucs, trop de trucs. J'avais dit quoi? La durée de saisie, on s'en fout. La lévitation. Ou alors... 75 dé... Ouais, non, mais non, ouais, vas-y. Vas-y, le lancer, moi je kiffe ça, le lancer. Hein. Lance des objets lourds et des ennemis dont la santé est faible. Ah. Oh. Ah. Qu'est-ce qu'il me propose? Pas grand-chose. Hein. Déplacement rapide. Attendez. Ouais, c'est ça, moi je vais à l'atrium. L'atrium! Non, remonte! Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. En fait, je pense qu'il faut que j'aille... J'aille du bon côté. Et que je balance une horloge en pleine face. Mais c'est pas simple. Making more costs.
crois que je vais mourir. Je crois que je vais mourir. Finalement, je vais peut-être pas faire ça. Finalement. Finalement, on va peut-être faire autre chose. Oh, il fait tellement mal! Ah, mais il tourne en fait! Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Trop tôt. Ah, ce truc-là aussi, il frappe fort, je crois. Ouais, en fait, faut... oui, ok, j'ai compris. Le flingue est pas forcément la bonne arme, je pense. En fait, faut vraiment que je prenne. Voilà, c'est ça qu'il faut que je prenne. Là, je lui balance en pleine tête, après je bouge. Jesse. Oh merde! Ouvre-toi! Ah merde! Putain, ça je l'ai pas vu venir. Oh putain. Et comment quand le frapper, quand tu as compris, il est assez facile, ouais. Mais il faut saisir le truc. Non mais c'est bon, tu vois, je l'ai saisi, mais... je l'ai saisi, mais j'ai un peu chié en fait dans la pratique. Parce que j'ai l'impression qu'il accélère après. Et en plus, il y avait les petits enfoirés là qui me... qui ont commencé à me péter à la tronche. Qui a pas été formidable. Hein. Ok. Et j'avais foiré en plus le premier, j'ai l'impression. Hein. Le premier, j'avais pas fait mal. Merde. Ah oh, putain, j'ai déjà pris la max. Allez. Non mais merde. Ah, oh, il y a les connards. Non ! Barrez-vous les connards ! Mais putain, mais pourquoi j'ai cette arme à la con ?
Fuck! Mais j'avais pas la bonne arme, putain! C'est bon, là j'ai la bonne arme. Ah, j'ai atterri sur le bord. Hein. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que la première fois, on peut pas l'avoir, quoi. Ou alors, faut attendre un peu plus ou faut que je sois plus près? Ah non, la première fois... Putain, et du coup, je me fais toucher pour rien, quoi. Du coup, je me fais toucher pour que dalle, quoi. Faut que vraiment que j'attende. Parce que là, vous voyez, hop, là, on a le... Non, merde. Allez! Ok. Allez, 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 ouvre-toi, ouvre-toi! Non, je me casse! Bonjour, c'est juste chiant. Merde. Ok, donc de toute façon, le premier là, faut pas que j'essaie de le tabasser parce que ça sert à rien. Alors, je peux peut-être essayer avec un angle particulier là. Je pense que c'est mort. Ouais, non, ça marche pas. Allez, à un moment tu vas y arriver. C'est pas évident, évident. Hein. Le vol... S'en fout ça. S'en fout les missions à la con là, on s'en fout. Alors là, il y a les connards qui arrivent. Putain de merde! Non! Chut! Tu disais quoi, Quick Ben? Il est facile en fait? Bah pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi moi j'y arrive pas alors? Si le truc est simple, pourquoi moi je suis nul? Pourquoi je suis nul? J'ai pas dit que... Ouais. T'as pris plusieurs tentatives. Ouais, mais toi, il est pas... Du coup, il est pas simple, quoi. Allez. Allez. Là,
La prise en main du vol est pas évidente, évidente. Hein. Après, ils sont chiants là. Non! Non! Et merde! Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Putain. Ok. Faut pas qu'il y ait d'ennemis là. Oh le bâtard. Ok, je l'ai eu. Ah là, le petit angle merdique que j'ai eu avec la avec l'horloge, franchement c'était du bol. Hein, hein? Ah, c'est tout. Attendez. Attendez. Merde. Non. Ah merde. J'ai sauvegardé ou pas? Oh, le pognon que j'ai perdu. Ah, j'ai perdu tellement de pognon. J'ai pas le casou, moi. Désolé Quick Ben, j'ai pas le casou. Le casou de Nim Nim, je l'ai pas. C'est dommage, parce qu'à chaque fois, il fait des trucs merveilleux avec. Hein. Attendez. Ouais. Merde, c'était pas là? Putain, attendez, je me suis planté. Ah non, il doit être derrière le potal là. Ah ou alors je vais directement en face là-bas. Voilà. Ok. Simple. Oh, jusqu'où on peut monter d'après vous? Pas jusque là par contre. Ok. Oh, j'ai récupéré de la capacité. Oui. L'aller vite. Ça coûte combien ça? Allez.
On a mis le lancer à pleine balle. Ça va être parfait. Du coup, on en est où? On a récupéré de nouveaux trucs. Quoi, l'énergie du lancer, ouais. Ok, ouais, non, mais... On a dit les deux, on vire. On regarde même pas ce que c'est, juste on dégage. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans les objets... Dans les missions, du coup, on a terminé. Visage de l'ennemi. Ah oui, pour retrouver son frère, oui. Ah oui, Dunhill, a priori, c'était bon. Et là, les dossiers. Procédure de l'encre. Un revêtement de pierre noire empêche la manifestation de la sphère. Une encre de type Trotman en fer avec un jas. C'est un jas, oui, je sais pas comment ça se dit. De bois. Sa surface est rouillée par endroits. Masse 1719 kg. De la bonne encre déjà. L'objet produit une sphère persistante dont le but est encore inconnu. La sphère est toujours produite à un point précis à mettre à l'horizontale et mettre à la verticale du A de l'encre. Le 25-4-1983 à Est, le soldat de première classe a été lâché dans la sphère muni d'une combinaison de plongée reliée à une conduite d'oxygène. Après 10 minutes et 13 secondes passées à l'intérieur, la conduite d'oxygène de a été tranchée à la limite de la sphère par une force inconnue. À divers moments, tous situés dans une période d'une heure, tous les agents présents dans la pièce lorsque est entré dans la sphère ont été victimes de vomissements, de vertiges et de perte d'ongles. Le soldat a été porté disparu dans l'exercice de ses fonctions. Il est présumé mort. Et B. Est-ce que je peux créer des trucs ? Améliorer prise. Ah bah oui. Ah bah oui. Ça c'est tellement oui quoi. Hop. Et du coup maintenant, je peux... Burk. Ouais. Moi aussi parfois je perds mes onglets. Mais je fais CTRL SHIFT et ils reviennent. Ah là c'était les ongles là. T'as mal lu c'était les ongles. Amélioration du tir à la tête légendaire. 87%, c'est pas mal, mais faudrait que je sache viser pour ça. Amélioration des dégâts, plus 46%. C'est pas mal, parce que je l'utilise quand même pas mal. Mais du coup, amélioration de dégâts nul, là, on peut le changer. Coup des munitions en lévitation. Ah, quand je lévite. Chance de récupération de munitions par coup, plus 15%. Ah vas-y, hein, let's go. Et le perforateur, là. Attendez, ouais, le dégât à la tête, là. Ouais. Non, dégât en visant. Je vise tout le temps, moi. Je piche pas, en fait. Ah bah voilà. Des trucs mieux. Hop. C'était une blague avec onglet et ongles. Mais je sais. Mais je... Non mais j'avais compris. J'avais compris. Bah tiens d'ailleurs sur cette superbe blague, on va laisser YouTube. Bisous YouTube. À la prochaine quand la plateforme me laissera remettre des vignettes.